Bonjour. On aurait dû se retrouver déjà à 8 heures du matin avec nos frères et sœurs catholiques pour devant le temple pour célébrer la résurrection de Jésus. Ça nous a manqué. On aurait dû prendre le petit déjeuner ensemble, vivre un bon moment de communion fraternelle, de fraternité, avec une belle table décorée, prendre un petit déj ensemble au foyer. Eh bien, ça nous a manqué. Et puis ensuite, à 10 h, on aurait dû se retrouver pour célébrer ensemble cette résurrection, cette victoire de Jésus sur la mort et vivre en même temps la Sainte Cène. Ça nous a manqué. Et pourtant, ben, nous sommes là et nous sommes unis tous ensemble par l'Esprit de Dieu ce soir. En tout cas, moi, c'est ce soir. En ce dimanche de Pâques, le soir, unis derrière notre écran, unis par la puissance de l'Esprit Saint, cet Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cet Esprit qui a fait que, eh bien, Jésus sorte du tombeau, la mort n'a pas gardé le Christ dans ses murs. On pensait le confiner, il est sorti. Voilà, quelle espérance! Quelle joie, quelle puissance que le Christ nous laisse aujourd'hui. Oui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et je sais que pour beaucoup, ce temps est de plus en plus difficile. Ce temps est de plus en plus dur avec la maladie, avec le confinement, avec les décès, avec les enfants qu'on ne voit plus, les petits-enfants qu'on ne voit plus, avec cette période de trouble. Mais on fait le choix. On fait le choix d'espérer. La vie du Christ triomphe de la mort. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre deux chants. Le 781 dans vos cantiques, le Christ est ressuscité. Et puis un autre chant, Pâques, le matin de Pâques. Le Christ est ressuscité. 781. Le Christ est ressuscité, Alléluia, comme il avait annoncé, Alléluia, il nous a donné sa joie ensemble, Alléluia, la souffrance de la croix, Alléluia, pour chaque homme, chaque jour, Alléluia. Son pain d'amour, Alléluia. Près de son Père, il attend, Alléluia. Ceux qui gardent un cœur d'enfant, Alléluia. Le grain qui meurt apporte des fruits, voici le printemps de la vie. Cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Le matin de Pâques, aux premières Bible, c'était annoncé,
et mange avec eux, puis ils disparaissent. Sans doute que vous vous êtes rappelé de ces deux chants qu'on a pu chanter les deux dernières fois lors des matines et lors du culte de Pâques. En ce dimanche matin, l'impossible a eu lieu. Au cœur des ténèbres jaillit la vie, le Christ est ressuscité. On a bien essayé de le faire taire, de l'éliminer, ou on l'a même enterré, enfermé. Mais il est ressuscité, éclatant de vie, il est Dieu. Il continue à éclairer puisqu'il est la lumière. Il brille dans les ténèbres du désespoir. Il continue avec l'amour et le pardon. Avec lui, tout est à nouveau possible. Il continue à nous faire confiance, il nous bénit. Relevons-nous. Relevons-nous de nos tristesses et de nos peurs. Et ressuscitons à cette nouvelle vie de chrétien. Laissons la vie du Christ ressuscité nous guider et transfigurer nos engagements, nos relations, même confinées. Il est ressuscité. Arrêtons-nous de nous plaindre sur notre sort. Arrêtons de jouer à la victime. Vivons de la puissance de vie nouvelle et laissons régner le Christ en nous. Jésus est le Seigneur vivant. Et je vous invite à écouter deux versets de l'évangile de Jean au chapitre 20. Nous sommes le dimanche de Pâques, le dimanche soir. C'est très rare que je lise ce texte, mais comme nous sommes dimanche soir, eh bien, lisons-le. Comment Jésus se montre à ses disciples. Le soir de Jean 20, versets 19 à 21. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Les disciples sont enfermés dans une maison, ils ont peur. Je vous invite à écouter quelques phrases comme méditation et prière. À tes disciples apeurés, enfermés dans une maison, tu apportes la confiance du cœur. Par ta salutation, tu chasses le trouble et la colère. Tu fais habiter la joie à la place de la tristesse et tu souffles l'esprit, la force du pardon. Alors Seigneur, en ce temps de confinement, visite notre maison. Viens, viens Jésus ressuscité, viens dans notre maison. Comme au premier soir, verse maintenant sur nous ta confiance et ta paix, ta joie et ton pardon. Viens nous visiter, Jésus. Toi qui as vaincu toute peur, toute angoisse, toi qui as vaincu la mort, toi qui t'es donné, viens nous visiter ce soir.
et que ta paix vienne au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes peut-être confinés, mais nous sommes confiants, confiants en ton amour, en cette puissance de vie, puissance en ta victoire, confiants en ta victoire sur le virus et sur la mort. Amen. Et je vous laisse avec cette parole de bénédiction. Jésus-Christ est ressuscité. Que la joie du Christ ressuscité illumine vos jours. Que l'amour du Christ ressuscité vous rende fraternel. Et que la puissance du Christ ressuscité vous rende fort. Que vos paroles, votre vie, transmettent ce message. Vivez confiné, oui, mais dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en haut, voilà, et puis pourquoi pas partager cette vidéo à d'autres. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne à lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Qui crie victoire maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.